Appel général appel à tous pour le QSO des journées QRZ. Ouais, salut mon Pascal. Eh ben du coup tu seras numéro 1. Hein. Je sais pas, tu me diras où tu es là. Si t'es... Ah oui, dis donc, je viens de mettre la carte là sur Wi-Fi. Ah, je pense qu'on va pas entendre grand monde ce soir. On va pas entendre Daniel, Pierre et tout y quanti. Puis c'est en train de se rapprocher. Je pense que nous on va prendre ça dans la nuit. Hein. Voilà, je suis train numéro 1, Catherine P. Pascal, et ça a l'air de bien taper. Il y a une sacrée diagonale là, jusqu'en Allemagne, et qui part d'en bas du sud-ouest, hein, quasiment dans dehors, où ça pète bien en ce moment. On va voir si des fois Joachim est par là aussi. Donc Pascal numéro 1, Catherine P. appelle QRZ pour le QSO déjeuner. Joachim, il y a pas rien qui est là. Ah, il est là, Joachim, super. Eh ben, tu seras numéro 2, Joachim, contre Catherine Gacropa-Yanqui. Bien bonsoir, Joachim, j'espère que tu vas bien, que tu t'es dépêtré là, de ces petites voitures, là. Et t'es pas bien ça, mais ça suffit pour rester au bord de la route. Donc, numéro 2, avec votre permission, je lance appel pour le QSO des génies, QRZ. Allez, encore un petit appel, hein. Je pense que les copains, vous devez entendre craquer, là. Il y a une forte activité orageuse, hein. Déjà à cette époque, hein, c'est juste incroyable. Je relance un petit appel QRZ pour le QSO des aînés. Ok, alors écoute, j'ai pas entendu grand monde là. Donc on va démarrer comme ça, hein. Donc numéro 1, Fox Catherine Diapapa, numéro 2, Fox Catherine Diapapa Yanqui. Bon, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien le bonjour de Christophe et Chani, là, qui viennent de m'envoyer un petit message. On les salue, on les embrasse. Vous me direz, hein. Nous, ici, ça commence à le vent sud-ouest, là, qui est assez prononcé. Hein. Ça fait à peu près, depuis sur le coup, là, de 17h30, que ça souffle pas mal. C'est encore pas couvert, mais je pense que ça va nous arriver dessus dans la nuit. Hein. Voilà, donc je retourne le micro du côté de Pascal. Donc, ce Catherine Yannemandor, papa, pour l'ensemble du QSO. Donc, ce 4 Delta Zulu Golf. De la vidéo qui avait été faite à Montfranger du côté de Marseille.
Ben on y est dedans aussi, c'est pour ça que la télé ça s'est connue tout à l'heure. Je me demandais ce qui s'est passé.
Oui, effectivement, pendant que j'étais en train de faire ma métallique, je pense que je pouvais tourner en orage. Et comme je n'avais pas prévu, j'ai dit bon, il va plus très fort que moi. Mais là, apparemment, ça a changé du tout au tout en l'espace d'une heure. Alors, je vais faire comme toi, Laurent, je vais tout débrancher. Et merci encore du contact. Merci, Pascal, si tu m'entends. Bonne soirée. Et je salue bien nos amis écouteurs, Explorer, Indicative et tout ça. Et je salue aussi Christophe ainsi que Tani, 88 à toi, si tu es à l'écoute. Allez, ciao, ciao. Et à demain, dans de meilleures conditions. J'espère que ce n'est pas les orages. Bonsoir à Laurent, j'ai compris que vous étiez en stand-by l'un et l'autre lié à des orages. Je salue Christophe et Samy, là, s'ils écoutent sur un SDR. Et donc ici, c'est plutôt frais, il n'y a pas d'orage. Hein. La température est encore de 13 à 15 degrés. Le vent est plutôt orienté sud-ouest, assez fort par rafale. Là, j'ai baissé les antennes directives. Mais il n'y a pas de manifestation d'orage en ce moment. Voilà les copains, je te retourne le micro, Pascal. F4 ENP en portable, F5 Alpha Alpha Romeo. De la Loire et largement du côté de Joachim et de Laurent. Là. On voit bien que la dépression est par là. Moi aujourd'hui, en fait, j'ai eu du vent souvent cet après-midi, mais là on voit bien que c'est en train de remonter par le sud-ouest. Là. Ça prend bien la façade atlantique, mais un peu plus bas là, que Nantes. Là. Donc nous on est dans le flux, mais on n'est quand même pas exposé pour l'instant. Est-ce que ça va venir? Là, c'est en train de monter rapidement. Hein. Plutôt orienté sud. Voilà. Bon, bah écoute, au niveau radio, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travaux au QRA, non pas que je les fasse, mais il faut quand même que je sois un peu plus présent. Et puis, j'ai baissé les aériens, notamment la directive. Là. J'en ai mis pratiquement par terre là, pour qu'elle soit un peu protégée des vents dominants. Mais bon, ici, c'est quand même pas des. Le vent a été de l'ordre de 80 à 90 de vitesse en km/h il y a quelques jours, hein, dans la nuit de vendredi à samedi. Mais là, je suis quand même un peu calmé. Mais là, je regarde ce soir de l'ordi et la progression sur Wi-Fi. Voilà, mon ami. Bah, écoute, je vois que tu es en portable. Je ne sais pas si tu vas profiter pour faire un peu de radio. En tout cas, j'ai compris que tu avais eu une journée plutôt venteuse, là, comme ici. Et je me dis bien que la basse voix ventilée un petit peu. Je salue Laurent et Joachim, là, s'ils sont encore à l'écoute, mais ils sont qu'ils ont débranché le poste, et puis je salue WL également. Et puis nos amis, salut Christophe, 88 à eux, là. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Je sais que c'est le nom de papa portable, et 5 alpha le temps, mais... Ah, ok, merci, pour le retour de l'écoute, et puis...
beaucoup de vent, les températures, tout après-midi, tout au sujet du jardin. On a choisi par ça, parce que ça sera le plus cher qu'il y aura, la fraîcheur est dure. Et voilà, c'est une constante. C'est ce qui a baissé Ok, Pascal. Hein. Ah oui, j'ai baissé les aériens parce qu'en fait j'ai un pylône qui monte à 12 mètres, un peu plus même. Et puis au-delà de ça, donc j'ai un chariot sur le côté. Donc c'est un chariot qui descend et en plus il est basculant. Hein, donc je peux mettre l'antenne lorsque je veux travailler sur les aériens, je peux la mettre vraiment à hauteur d'homme là. Donc j'ai pas besoin de monter dans les arbres et tagne. Et puis là je la baisse à la hauteur que je veux. Donc globalement quand elle est baissée complètement, l'antenne se trouve environ 4-5 mètres du sol, pas plus. Après, je remonte le chariot sur le côté. C'est une installation que j'ai déjà depuis plusieurs années. Et sur cette installation, donc, il y a une 3 éléments de chez Foster. 3 éléments, 3 bandes. Donc, globalement, j'en suis content. Hein, mais ça ne vaut pas une monobande, hein, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas la place pour mettre 3 monobandes. Hein. Le terrain est assez grand, mais la fatigue ne se prête pas trop à ça. Donc, et à côté de ça, donc, j'ai les différents cuillères là, qui sont sur le côté du cuillera et qui sont environ 10 mètres du sol, donc c'est bien. Ça nous permet de fonctionner très confortablement. 4 MP, 5 alpha, alpha radio. Ouais, c'est clair, ça a été 100% pour le pilote là. Avec le chariot, ça a été très pratique pour le chariot. Pour pouvoir travailler avec un hauteur correct hein, par rapport au sol. Ok, bien, bah écoute, je vais passer une QRP, je vais essayer les émissions. Merci de l'article qui est sympathique, on va je vais passer sur le gastro, le gastro solide. En te souhaitant une très très bonne fin de soirée, j'ai le plaisir d'être écouté sur le QSO des données. Je salue donc tous les amis, bien venus derrière là, écoutez la vidéo de l'eau. Cette semaine, le 4e G, 5 alpha, 40 et 14.